À l'heure de la pause cigarette, ce mégot jeté négligemment sur la voie publique. Un geste verbalisé depuis le 1er février par la ville de Lille. Cette fumeuse en a fait l'expérience, elle n'échappera pas à un procès verbal. C'est un prix à 68 euros. Maintenant, il y a tolérance zéro, donc on verbalise automatiquement. Comme j'ai fait tout à l'heure, une dame qui avait jeté son mégot, donc voilà. La guerre aux fumeurs indélicats est désormais déclarée. La campagne d'affichage choc du printemps 2016 n'a pas suffi. La municipalité a donc décidé de sanctionner. Chaque année, la ville ramasse 18 tonnes de mégots de cigarettes. Une nuisance pour l'environnement et un coût pour la collectivité. Alors Lille a fait le choix des armes. Le Français attend la dernière minute en se disant « bon, ben, tant que c'est pas en place, on peut encore se permettre ». Malheureusement, je dirais malheureusement, c'est un problème d'incivilité du quotidien. Ça paraît pas important et pourtant ça l'est. C'est près de 17 millions d'euros pour la propreté en règle générale sur l'île. C'est bien entendu des crèches qu'on ne peut pas construire, des bâtiments publics par contrainte aujourd'hui de ce coût supplémentaire. Fumeur ou non fumeur, la mesure, elle, passe plutôt bien. Il faut sanctionner, parce que c'est en mettant la sanction justement que les gens ils vont comprendre et justement il ne va plus avoir ce genre de problème. La ville elle est là pour ramasser. Les choses qu'ils doivent ramasser, ils sont pas là pour ramasser les clubs de tout le monde. Hein. Mettre au moins des cendriers, au moins dans les coins de rue ou proches, près des poubelles publiques, ça aiderait. Mais c'est une bonne initiative. Concernés également les restaurateurs qui n'ont pas appliqué la charte signée avec la ville en mettant à disposition des cendriers réglementaires. Pour les contrevenants, l'amende sera de 38 euros.